monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc là, on part de Saint-Laurent-sous-Quarron. Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, là, on va voir un nouveau petit village qui est Mirabel. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est très joli. Il y avait même Sébastien de L'Amour est dans le Pré, hein, qui a été avec sa petite chérie. Vous pouvez voir sur Insta, on va même aller à l'endroit où ils ont fait une vidéo, ils ont même fait plusieurs vidéos où il y avait sa mère qui habitait là-bas. Et qui vendait la maison, je crois. Ouais, ils vendaient leur maison, donc légende M6 de L'Amour est dans le Pré, c'est magnifique. C'est ça. Donc on va voir tout ça. C'est vrai que c'est bizarre, hein, nous ici, il y a plein de gens de la télé. C'est un truc fou, la dernière fois c'était Kaamelott, plusieurs fois parce qu'il habite dans quoi. Mais l'autre pareil. C'est ça, c'est tout à fait. Alexandre Astier. Donc du coup, on est toujours accompagné de nos petites gazelles. Voilà. Et du coup, on y va. Donc allez, on vous montre ça tout à l'heure. Hey. Allez, à tout à l'heure. Du coup, je sais pas si vous voyez le tout petit truc là-bas. Là. Alors attendez. Attendez. Il est où? Attends, mon doigt il est où maintenant? Mon doigt il est où sur ta main? Il est où sur son doigt, sur sa main non? Alors, attendez. Mieux là, on le voit mieux là. Vous voyez là le petit. Alors attends. Oui. Voilà le. Là, le petit truc là. Là. Ouais. Voilà. On va aller ici. Allez, c'est parti. Allez. Un tout petit truc. Non, c'est pas un petit truc. Regardez, là on est bientôt arrivé et regardez, il y a encore une très belle vue. Voilà, il y a un petit lac là-bas, au fond. Un lac, une retenue d'eau. Voilà, une retenue d'eau, ouais. Elle est magnifique. C'est vrai. Ouais. On passe souvent là-bas et vraiment ça rend trop bien. Trop bien. Et là du coup, on voit pas. On voit pas. On voit pas pour l'instant. Elle est derrière là-bas. Hop. On est bientôt arrivé en tout cas. Et vous voyez, encore, c'est encore des petits chemins de campagne. Avec des poubelles. Au revoir, très intéressant. Enfin voilà, allez, à tout à l'heure. On arrive. Il est où le mec de L'Amour est dans le Pré là? J'attends, hein. Allez. Eh, filme-moi, filme. Allez, tu veux que je te filme? Non, mais je parle de monsieur. Quand je te filme. Ah, Mirabel, regardez-moi ça, c'est magnifique ici aussi. C'est un joli petit village aussi qui est sympathique. Ouais. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, hein, j'en sais rien, mais on va visiter ça ensemble. 200 000. C'est toujours, c'est toujours un ancien village, hein, ça ne change pas. On va se garer sur le parking. Hop. On va se garer sur le parking à côté de pizza ou pas? Pizza. À côté de pizza. J'en veux, hein. Allez. J'en veux une de pizza. Oh, putain, c'est l'autre qui roulait à fond. T'as vu? Ouais. Et regardez encore cette vue. Ouais, toujours la même à peu près. Hein. Ouais. Et là-bas, on voit, je crois que là-bas, c'est l'endroit où on était. Enfin, là-bas, je vois rien, il y a des arbres. Ah, bon, bah, vers là-bas. Là. Donc, vraiment sympathique, allez, nous sortons et puis allons voir les poules. Les poules? Non, je déconne. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein, un joli petit endroit, toujours à côté du camion de pizza, entre guillemets. Hein, la petite, il faut que je la récupère. Et puis, on est vraiment super bien. Super beau. Les gens ne m'ont même pas regardé. On s'en fout des gens de toute façon. Un peu de vent encore, désolé, hein, toujours autant de vent. Mais même, je pense un peu plus de vent ici. Mais on va faire en sorte de vous faire visiter ce magnifique village. Ouh, des sacrées poules là-bas. Hein. Là, des chiens. Ouais, cette maison-là, là-bas, là. C'est la maison de la mère. Alors je sais pas si elle est décédée ou quoi que ce soit. Parce que je sais que la maison est vide. Et je sais. Ouais, je sais pas exactement. Combien forcément il a vendu ou quoi que ce soit, hein, n'appelez pas, ça sert à rien. Et voilà, c'est là où il est. Oui, s'ils veulent. Regardez-moi ça. C'est le monument mort. Mirabel. Hein, à ses enfants, pareil, toujours pareil. Comme l'autre la dernière fois. Magnifique en tout cas. Magnifique. Regardez, c'est un petit village pareil. Perdu un peu, hein, dans la pampa. Hein. Et je crois qu'on voulait aussi habiter ici. Bas, je crois. Ouais, c'était beaucoup plus bas. C'était vraiment, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas. C'était quoi, c'est quoi ici? C'était vers la télé. Ah si, c'était là-bas, il fallait descendre. Alors, on va voir, on va faire voir si. En tout cas, voilà, c'était ici. Magnifique. Donc, voilà, c'était ici qu'il nous faisait montrer, qu'il nous faisait voir, pardon. Et là, il nous faisait voir l'intérieur. Hein? C'était là-dedans, on va voir. On va loin, hein. Et là-dedans, vous voyez, il avait fait voir, il était ici en plus.
il nous avait fait voir. Donc regardez, c'est vraiment des petits villages magnifiques. La Mangari Atelier. Tu sais que quand il faisait, tu sais, la vidéo, il y avait v'là le vent. Et ben là, il y en a toujours autant. Hein ? Et je sais plus où c'était. C'était là. Ouais. Je sais pas exactement, c'était ici, je crois. Ouais, je crois que c'était là qu'il avait ouvert, quoi que ce soit, et ça se rendait ici. C'est magnifique, regardez comme c'est grand. Ouais, ça passe, hein. Vous pouvez aller vraiment partout. Vous pouvez vous promener et tout, c'est vraiment magnifique. Regardez, c'est vraiment des impasses de la marche. C'est beau ici, hein. T'as vu là-bas ou pas? Tu veux venir? Viens avec moi, on va là-bas pour voir. On va vous faire voir là-bas au fond. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous nous entendiez. Regarde, il y a même des... Regarde, des morceaux de ferraille, je sais pas si vous voyez bien. Regarde, des pointes. Je pense que c'est pour les chars, regarde. Ah, ça doit être pour les oiseaux. Pour pas qu'ils se posent, il y en a même en haut. Tout en haut. Regardez, il y a des clous. Même sur les trucs. Oh, c'est trop bizarre. Oh, ça fait trop bizarre. Vous voyez ? C'est vraiment un endroit magnifique. Avec les portes, les anciennes portes. Ouais, c'est vraiment cool. Vous voyez, c'est vraiment un truc sympathique. Je vous cache un peu du vent pour que vous entendiez un peu. Qu'est-ce que tu fais, Lana ? Là, tu es chez quelqu'un ? Vous voyez, c'est vraiment... Je pense que c'est des maisons toujours à peu près secondaires. Et là, on se dirige vers où, là ? Là, ça monte vers où ? Oh, ça monte vers nulle part, en fait. Donc, ça va. On va retourner de l'autre côté. Hein, parce qu'on n'a rien vu. Mais regarde, il y a plein de maisons. Abandonnées quand tu regardes bien. Il y a plein de maisons où vous pouvez habiter, vous voyez ? Je sais pas si c'est avant, moi. Oh, la petite... Magnifique. Oh, sympathique en tout cas ici. Vous voyez, et c'est bien cette maison qui vend en fait. Donc voilà, c'était à la mère de. Je sais plus comment. Sébastien, c'est ça ? De monsieur qui était. En tout cas, ça c'est surprenant ces pics là. Hein, t'as vu ? Il y en a même sur le poteau. Hein. C'est dingue. Rue du Corps. Donc allez, on va là. C'est juste magnifique de voir ça. Vous voyez, c'est. On dirait vraiment des sites historiques. Regardez, avec les portes magnifiques des gens. Magnifique. Regardez-moi ça, tout refait. Et puis il y en a, regarde, c'est ouvert là-haut, il y a des gens qui habitent de partout. Hein, c'est vraiment magnifique ici. Moi ça en plus, même les volets qui sont bleus, comme. Hein, c'est comme quoi ? Comme Saint. Comment ça s'appelle ? Saint-Tropez. Saint-Tropez. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh putain, mais il y a même des passages ici. Et t'as vu, il y a des lumières en dessous, par terre. Il y a vraiment des lumières. Ça monte où là ? Ah, tu veux que j'aille voir ? Vas-y, je vais voir. Une cour. On court. Le cœur de la citadelle. Dans le vent qu'il y a, il y a un vent de taré ici. C'est un truc de malade le vent. Un vent de fou. Putain, on va s'envoler. Truc de fou. Bon, je descends. Ah oui, un atelier, comme tu disais, le petit écureuil. Regardez, c'est fermé et. C'est une boutique en ligne. C'est magnifique. Vous voyez, vous pouvez, en cas d'absence, vous pouvez joindre. Vraiment chien, j'allais dire. Vraiment top. Atelier de bisous. De quoi ? Bisous bois. Ah ouais, vraiment sympa. Sympathique, hein, vraiment c'est beau. Non, on n'était jamais venu ici, on était toujours passé par un endroit normal. Hein. Et comme vous voyez, c'est vachement vieux, mais c'est ça qui apporte le charme de ce beau village. On fait une bonne petite promenade, ça fait toujours plaisir. Par contre, au niveau du vent, il y a du vent. Ça, il y en a. On va dire le contraire. Allez, là-bas, là, c'est chez quelqu'un, je crois, non ? Il y a plein d'endroits, ça sent. Peut... Oui, ça doit être chic. Je croyais qu'il y avait un truc qui me tombait dessus. C'est mes lunettes. D'accord. Non, c'est sympathique, j'avais vu un chien, t'as vu ? Oui. J'avais un chien, je sais pas trop. Il boitait, j'ai l'impression, en plus. Ruelle de la maison des pauvres. Oula. Ah, c'est pour les pauvres, là-bas. Fais attention. Fais attention, Maëlla. Ouais, regardez, c'est tout vieux, hein. Regardez, il y a personne dedans depuis longtemps, à mon avis. Vraiment sympathique. Ah bah là, si tu veux vraiment pas avoir de problème, tu veux du calme, tu viens ici, hein, en seconde maison, pour les vacances, tu sais. Après, ça serait bien d'avoir une maison avec une piscine, avec beaucoup de champs et tout, ça serait cool. Je sais pas, il sortait d'ici, il sortait de là, il est parti là-bas.
Voilà, là on va peut-être avoir beaucoup de vent après parce que franchement le vent qu'il y avait, c'est énorme. Ah, mais à mon avis, tu vois, tu descendais de là-bas, tu remontais là. L'été c'est la vie. L'été c'est la vie. Ah oui. Regardez, MDR. Il y a du calme. Hein. Et franchement, regarde, on parle pas. Chut, chut. Le calme de fou, truc de fou. Ah, on connaissait pas ici. Hein. C'est une bonne marche. Hein. Clé vacances. Ah bah tiens, regarde, tu peux même aller à toutes les vacances. Petit endroit aussi. C'est quoi ça? Rue de la Tour. Ouverture sur rendez-vous. À quoi ça ressemble ici? La quoi ça c'est comment? La magnanerie. Ouverture sur rendez-vous. Je sais pas. C'est sympa, il y a des trucs dedans. Oh putain, ça coûte cher, 50 euros. Juste un manteau. Non, c'est sympathique, tu peux même passer là-bas. Je sais pas où ça va. Ça va où là-bas? Rue des Roches, pareil, là il y a du vent. Regardez, ça part partout. Il y a plein d'endroits. Trucs de fou, il y en a plein. Venez. Il y a plein d'endroits ici, c'est fou. C'est fou. Là-bas, il y a encore plein d'endroits. Un tout en fait, on dirait que c'est petit, mais en fait, c'est vachement gros. Ah ouais, en fait, quand tu marches et tout, c'est un coup à se paumer. Même si là, je pense qu'on va atteindre après la route. On va atteindre directement la route. Je suis désolé s'il y a du vent, hein, parce qu'à mon avis, ça tient. Mais. Ouais, bah désolé. Mais la poussette, je suis pas sûr, on l'entendra bien. On verrait bien, de toute façon. Mais là, on retourne, vous voyez, où il y a les voitures. Oui, c'est ce que je t'ai expliqué. Voilà. Et on vous fera voir où on voulait habiter aussi. Et là, regarde, c'est une cloche en haut. Regarde comment elle est belle. Magnifique cloche, hein. Hop, on peut même passer par ici, mais là, c'est impasse de la magnanerie. En fait, c'est le nom, en fait. Magnanerie. Bah là, ça doit aller chez quelqu'un, je pense. Je pense que ça va chez quelqu'un, parce qu'il y a du bois et tout ça. Donc pareil, là, c'est quoi aussi? Bistrot. Ah bah tiens, regarde, il y a un bistrot, restaurant, spectacle. Vous voyez en bas? Vraiment magnifique, pareil. C'est vraiment super beau. Vraiment super beau. Et vous voyez, c'est, on savait pas trop. Hein. On n'avait jamais vraiment regardé. Hein, on n'avait jamais vraiment vu comment c'était magnifique. Mais en tout cas, c'est parfait. Je vais aller là bon, pour voir un peu. Je sais pas où ça va exactement. Attention, propriété privée, famille haute. On va chez quelqu'un là, on va laisser parce que c'est pas chez nous. Mais bon, on peut passer où qu'on veut, hein. C'est juste un chemin, bien sûr. Faut pas faire trop de bruit non plus, hein. On n'est pas non plus chez nous. Hein. Oh mais bah, l'église elle est là. En fait c'est ça l'église. Putain j'avais même pas fait gaffe. C'est ça en fait l'église. J'avais pas fait gaffe. Les gens rentrent ici directement. EDF, chapelle, c'est quoi Saint-Joseph, 1864. 1864. 1864, elle date cette église là. 1854, regardez ça, c'est une chapelle. Vraiment, elle est belle, hein. Sympa, c'est vraiment dans. Petit cœur comme ça fait. Vraiment magnifique. Il y a même une maison qui est en train de se refaire, j'ai l'impression là-bas ou pas? Ouais, elle est en train de se refaire celle en face là. Ouais, elle se refait, il y a un panneau. Vous voyez, ça continue. Et regardez, il y a du monde, hein. Il y a du monde quand même là. Il y a là les voitures. Tu t'avais peur? Ouais. On descend en bas? De toute façon. Ouais, on va voir où on était avant. On voulait vraiment parce que c'était vraiment, hein, vraiment être pas cher à ce moment-là. Ouais. C'était combien? À peine 300. On voulait partir, ouais, de l'endroit où on était. Où aussi, hein. Tout à fait. C'était un vrai merdier, mais on vous racontera un jour l'histoire de la voisine folle. La voisine au chien. La sorcière. Ouais, la sorcière. Donc franchement, c'était magnifique. Enfin, c'était magnifique. Non, c'était pas magnifique. Hein? C'était pas magnifique. L'histoire, c'était la merde. Ah non, c'était vraiment la merde. Et franchement, c'est pour ça qu'on était venu ici. Et franchement, on aurait pu la voir. On aurait pu la voir, ouais, mais bon, on n'avait pas la télé. Il n'y avait même pas la 4G. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas d'internet. On n'avait pas internet ou quoi que ce soit. Ils disaient même le... Même la télé, on la recevrait peut-être pas. Ouais, non, c'est ça. Alors, on s'est dit, ça nous a non. Trop croisé, hein. Pourtant, on était chaud. On s'est dit, c'est trop bien. Bon, c'était en dessus de la mairie. Le problème, c'est que nous, on a des chiens. Ouais. Et le problème, c'est que ben, s'ils aboient ou quoi que ce soit, ça va les faire chier. Vous voyez?
Et là, il n'y avait pas assez de place, on avait vu. Hein, on avait deux voitures, là c'était vraiment plein quand on était venu. Ouais. Là c'est assez vide. Et là, il n'y a personne. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais là c'est assez vide quand même. Hein, ouais. Trouve pas. Franchement. Et vous allez voir la vue qu'on avait pu avoir. Ouais, c'est vrai. Il y avait une vue de dingue. Et puis en plus, il y avait même, tu sais, ils avaient fait voir l'église ou quoi que ce soit là. Tu sais, comment il s'appelle? Putain, je m'en souviens jamais. Ah, comment il s'appelle le mec Sébastien. De la moi dans le pré? Ouais, Sébastien. Sébastien, il avait même montré, fait voir l'église et tout ça. Ouais, c'était celle-là. C'était celle-là qu'on devait avoir. En plus, putain, ils ont mon truc. On l'a installé déjà. Non, non, ouais, donc c'était ici. Voilà. En fait, on était allé à la mairie pour demander. Et c'était eux qui louaient, en fait, l'appartement d'en dessus. Et de base, on devait avoir ça. Et le pire, c'est qu'on disait, waouh, en fait, c'est une maison. Et en fait, on croyait que c'était vraiment le terrain là. On s'est dit, ah, c'était, ils devaient donner peut-être le terrain aussi. Et en fait, que dalle. C'est ça, la mairie. Et en plus, ils ferment. Donc en fait, t'aurais pas pu y aller, quoi. Donc c'est ça qui était dommage. Et regardez la vue qui est magnifique aussi au niveau d'ici. Là, je sais pas ce qu'ils ont mis. C'est quoi ces trucs là? Ça, c'était pas la dernière fois, ce gros machin là. Là, vous nous direz ce que c'est, ça, ce truc là. C'est nouveau, ça. On l'avait pas vu la dernière fois. Peut-être qu'ils ont mis des relais hein, pour capter. Hein, parce que on capte pas grand chose ici. Et c'est vraiment un temps magnifique, donc voilà, hein, c'était cet appartement là-haut. Bien, non, ouais, on était bien, regardez, il fait bon, voilà, pas trop de vent. Et franchement, c'est vraiment le top. Là oui, on le voit là. Et vraiment la vue. C'est le calme. Ouais. Le calme avant la tempête. C'est vrai que là-bas, il y avait des maisons. Là-bas, à chaque fois, on passait, quand on habitait pas loin d'ici. Et là-bas, on voyait des maisons là-bas tout au fond qui étaient vraiment magnifiques. Bon, on les voit peut-être pas forcément sur la vidéo, je sais pas si je peux zoomer. C'était lesquels exactement? Je sais pas exactement, mais il y en avait vraiment des trop belles. Ouais, je sais pas si on le voit bien là, ici, mais en fait, il y avait vraiment des super belles maisons. Mais là, franchement, ici, c'était vraiment top quand même. Ouais, on était vraiment bien. Et il y a un peu de vent, mais bon, on fait avec, hein. On va visiter là l'église ou la chapelle, je sais pas forcément ce que c'est. Mais là-bas, t'as vu, il y a une chapelle. Ouais. De 1876, je crois, c'était pas ça que j'avais dit? 64. 64? Ok, bon, s'il m'avait dit 64, ça doit être 64. Hein, ouais. Et donc voilà, donc on verra bien, hein, c'est là ce que c'est, mais ça doit être une belle église quand même, parce qu'on était déjà venu, je crois, en voiture devant. Et là, on est tout près. En voiture, ouais. Ouais. Donc une petite balade comme ça, ça fait du bien, on avait fait déjà sous Poiron là. Hein. Et là, on est reparti pour faire voir encore une petite église. Et puis après, on n'a plus qu'à remonter, puis on aura encore la descente à vous faire voir, et puis on aura terminé là. Une petite église. Hop, on va descendre. Hop. Va pas me faire tomber ma petite. Hein. Hop. Et c'est vraiment calme, c'est vraiment... Bon, les poubelles. Hein. Avec la petite place handicapée, hein. Il ressort de partout, ouais, effectivement. Genre d'église. Elle est sympa aussi celle-ci. Il y a le cimetière juste à côté. Bah, au moins tu vois, t'as pas à aller loin. Il y a encore cette vue là, franchement. On n'est pas trop bien ici. Et du coup, ouais, il y a un cimetière. Oh, cimetière 1, donc il doit y en avoir un deuxième. Les cimetières, mais. Ouais, ben. D'accord. Okay. Vraiment bon. Là. Bon, remontons parce qu'il y a beaucoup de vent, hein. Ouais, on va remonter. Ouais. Après, c'est pas qu'il fait froid, hein. Il fait pas froid, c'est le vent, en fait. Ouais, ça tue un peu le vent quand même. Putain, en plus, on s'en prend plein. Tout à l'heure, on était. Vous avez vu tout à l'heure là-bas où on était, il y avait un vent pas possible, laisse tomber, ça me faisait peur même. J'ai peur, moi j'ai toujours peur des vents. Ouais, c'est vrai que t'as peur du vent toi. Je sais pas si c'est arrivé quand j'étais petit, en tout cas j'ai peur du vent. À chaque fois je me méfie du vent. J'ai peur de me prendre un truc dans la tête en fait, tu vois. Ouais. C'est possible hein, c'est arrivé. Regarde ma casquette, c'est pas mal. Parce que t'es un volé. Voilà. La preuve qu'il y a énormément de vent ici. Je vous l'ai dit qu'elle s'envolait. Hein? Bon, elle vous plaît la petite balade des filles? Oui. Oui? Elle te plaît? Oui. Et toi, elle te plaît? Tu voulais pas tout? Et tu vois, c'était un endroit que je voulais habiter. Ouais. C'est ça qui est bon. C'est qu'on voulait habiter ici et franchement, c'est vraiment...
dur à monter. Ouais, parce que là, il y a une montée, regardez, attendez. Il y a une sacrée montée là. Donc du coup, là, on vient de s'apercevoir qu'il y avait une petite jetée d'un petit bassin. On va aller voir ça plus près. Il n'y a pas de poisson, malheureusement. Je sais que où est-ce qu'on était avant, on avait un petit truc comme ça avec des poissons. Mais là, il n'y en a pas. Ouais, c'est dommage. Il y a une patriote dedans, tu vois pas une? Non, c'est bon. C'est vrai que ça va se jeter. Ah oui, c'est vrai. Une patriote. Et on voit. On voit là, les reflets de l'eau, c'est joli. Ouais, c'est vrai. C'est dommage qu'il patine une petite fontaine. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais à mon avis, il y en avait une, parce que là, là-bas, il y a un trou. Ah ouais. Donc peut-être qu'il y avait une fontaine, et là, même ça coule, regarde, dans le mur. Merci. Je pense qu'il y en avait. Oh, franchement, c'est sympathique. Ave, o, mo. Merci, mais c'est trop bon. Amen. Enfin, bref, voilà. Là-haut, c'est beau, j'ai envie de tester. J'adore le truc, vraiment. L'église là, ouais, non, et la chapelle. C'est même la genre de chapelle là qui est super belle. C'est clair. Bon, avec les papiers en mobilette. Moi, je trouve que c'est un thème. Ah bon? Bon, bah écoute. En plus, c'est moto. Hop. Elle est super belle. Ouais, là-haut. Donc là, du coup, on va redescendre. On va redescendre et on va aller prendre la voiture pour aller en haut. Pour aller visiter le grand bâtiment, là. Quel bâtiment? Enfin, la tour. Ouais, la tour, le bâtiment. Ouais, donc là, du coup, on redescend à la voiture. C'est clair. C'est vraiment cool. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens. J'ai l'impression que c'est un peu... C'est un peu vide, mais... vide, c'est un peu l'abandon, on va dire. Mais c'est sympa pour c'est un dommage. Petit village comme ça. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de choses comme ça, vous voyez. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont dedans, dans leur truc de quartier. Ils sont de loin. Ça, c'est beau. Non, c'est sympa. Hein. Vraiment, vraiment beau. Voilà, bon, préparez-vous parce qu'après, il va y avoir du vent. Hein. Il va y avoir du vent malade, donc préparez-vous à faire... Préparez vos oreilles. Tu vas essayer de faire ça comme ça sur le côté, là, pour pas que l'on taille du vent, mais... Ça va, ça marche. Là, j'aurais trop aimé avoir un bâtiment comme ça. Et franchement, avoir une maison grande comme ça, même tout ça, j'aurais vraiment kiffé. Pas toi? Moi, je suis pas très maison en pierre, mais bon... Parce que j'essaie d'aller scorpions. Voilà, les scorpions qui rentrent, là, tout ça. Plus, là. C'est tout fermé. Ouais. Bah t'inquiète pas, ils peuvent toujours rentrer quelque part. Hein. Parce que la maison qu'on avait avant, elle était vraiment. Elle était mal faite. On ouvrait le truc où il y avait l'électricité, il y avait des scorpions dedans. Il y avait des scorpions partout. Quand c'était. Où il y avait les toilettes. Pareil. Dans les chambres, il y en dans avait. Dans les chambres. C'était horrible. Horrible. L'ancienne maison. Après, bon, elle était pas non plus si mal entretenue que ça. On va pas dire qu'elle était pourrie. Mais le truc, c'est que elle était vachement moisie. On a vu ça vraiment vers la fin quand on a sorti. Ma phrase. Vas-y. C'était un peu moisi, on était obligé après. Vraiment, c'était vrai, vers la fin, c'est ça, qu'on commençait à refaire les chambres. On était à tout, on ponçait tout, on enlevait tout, on repeignait tout parce qu'il y avait du moisi derrière. Et je pense que c'est parce qu'ils ont laissé la maison en fait comme ça, ils ont même pas chauffé. Non, c'est clair, le temps qu'il y avait personne, ils ont pas chauffé, ils ont rien fait. Non. Ah bah, t'as une maison encore avant, sortie. Ah. Donc, du coup, cette petite maison est à vendre aussi. Putain, le vent, tu l'entends, c'est... il arrive. Ah, vous avez vu l'état du panneau déjà, hein, donc on voit le vent qu'il y a. On entend bien ça. Mais c'est vrai que même ici, c'est sympa. Il est tout quoi. Déchiqueté. Elle est pas mal celle-là. À mon avis, ça doit pas coûter très cher. Hein. Bon, non, elle doit pas coûter très cher. Ah, je pense dans les 50 000 peut-être. Peut-être, ouais. Mais celle-ci, elle est sympa aussi. Hein. Vraiment sympa. Celle-là, là. Vraiment bien. Hein. Ça, t'as une vue de Paris en plus. Ouais, c'est vrai. Cette maison-là. Ah, mais non, tu vois ça, mais là, ouais, elle est trop faite cette maison-là. Elle est magnifique aussi celle-là, t'as vu, avec des volets en ferraille et tout. Ouais. Il y a des belles maisons hein, ici, c'est un beau petit coin. Le machin, ça haut, c'est terrasse arrondie. C'est vrai. Là, on a repris la voiture parce qu'il fait un vent de malade mental. Donc du coup, là, on va monter jusqu'en haut. La tour. Voir la petite tour. Voilà. Oh. J'espère qu'il y a des trucs sympas là-haut. Hein. Enfin, on était déjà allé, mais on n'est pas allé devant en fait. Ouais. Mais là, faut faire attention. Regardez, parce qu'il y a quand même c'est pour aller pas voir mal ça, de... là. Ah, on a beaucoup de vent là. Ouh là là. Ouais, non, mais c'est un truc de fou là. Oh, ça me donne le rhume, moi. Dis donc. Hop. Non, ça va être sympathique à vous montrer ça. Ouais, si on reçoit pas une pierre dans la tête. Si on voyait pas la vidéo, c'est que on s'est pris une pierre. Hein. Et là, même des gens en haut, quand on était venus la dernière fois, il y avait même des gens. Il y en a un qui dormait, je crois. Qui dormait, ouais. Ouais, il avait plus de temps. Mais on évitait de filmer, je crois. On voulait filmer, prendre des petites vidéos. Mais, ouais, mais on était venus pour ça, je crois. Hein. Ouais, mais on faisait un petit peu les timides. Donc là, maintenant, on en a rien à secouer. C'est bon, bah tout à l'heure, il y avait un mec, je parlais devant lui, je m'en fous. Ouais, non, mais maintenant, on s'en fout, quoi. Donc.
m'en fous complet. Voilà. En tout cas, il y a un beau ciel bleu sans nuages. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vent. Le vent, s'il n'y avait pas eu de vent, ça aurait été parfait. Ça aurait été excellent. Ouais. Ouf. Allez, elle est là. C'est vraiment beau. Vous voyez, bah avant c'était un château, hein, de toute façon, de toute manière. Et là, si vous voulez vraiment venir à Mirabel, allez-y parce que c'est sympa. Vous voyez, on ne s'était pas aperçu. De base, quand on avait visité la dernière fois, nous, on n'avait pas vraiment visité à pied. On avait juste visité comme ça. Et là, il était venu ici aussi. Hein. C'est ça. Allez, nous, on va aller voir. Hop, donc du coup, je te laisse y aller. Moi, je reste avec la petite. Allez, je vais vous faire voir un petit peu. Ouh, les mains. Oh putain, la porte. Abusé. On va me le péter. Les mêmes mangeurs de château là-haut. Regardez-moi ça, donc c'est vraiment un petit château. Enfin, ce qui reste en tout cas, là il reste plus que la tour, comme vous pouvez voir. Faut faire quand même attention. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Regardez ça, trop trop beau. Là-bas, faut pas rentrer bien sûr. Hein. On va voir si on peut aller dedans. C'est un passage, hein, comme vous pouvez voir. C'est pas fermé, donc on peut y aller. Allez, on va essayer de faire attention quand même. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Regardez, il y a vraiment les ruines par terre en plus. Donc, à quoi ça ressemblait avant? Là, faut faire accès interdit, on peut pas rentrer. Donc, on ne rentre pas, bien sûr, bien entendu. Et il y a vraiment une vue de taré. Regardez, là, c'est fermé. C'est, tout est fermé à clé. Là, j'ai une petite odeur, c'est bizarre. Assez spécial. Voilà. Il y a une sacrée vue, en tout cas, on va faire attention de ne pas tomber. Regardez-moi ça. Sacrée vue de fou. Marche, voyez, c'est vraiment magnifique. On va partir de là parce que c'est quand même dangereux, il y a du vent. On va pas vraiment rester trop ici. Faut faire attention quand même, il y a des pierres, tout ça. Même si c'est entretenu, faut faire attention. Top, on décale. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de vent. J'ai eu peur un peu là-bas, tu sais, il y a beaucoup de caillards, t'imagines une caillie qui tombe sur la tête. Ah ben oui. C'est dangereux quand même. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je suis épuisé, il y a un chien là-haut. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, comme je disais. Abonnez-vous, allez sur Insta. Ouais, surtout, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, et surtout de vous abonner pour nous suivre. Mettre la petite cloche. La petite cloche aussi, il faut mettre. Bah oui. Bah oui. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Sophie et Max. Vlog. Salut tout le monde. Allez, ciao.